Ah, bon, on voit pas grand chose. Voilà, dehors pour tester. On voit rien du tout. Voilà, on va pouvoir tester en plein jour. Tiens, chérie, prends la caméra, je suis en train de filmer. Donc là, on voit rien du tout. Alors, petite torche. Voilà, ça y est, c'est parti. Donc là, je suis en mode normal. Mais filme-moi, moi. Me vaut pas, regarde. Oula. Non, mais me tourne la caméra dans l'autre sens. Voilà, c'est mieux. J'ai un caméraman avec moi ce soir. Pour vous montrer, donc là je suis en mode normal, on va mettre en pleine puissance, on va allumer le ventilateur. Ah, je l'ai éteint. Non, ça marche pas comme ça. Voilà. Qu'est-ce que tu vois? Tout. Ça marche ou pas? Oui. Ça marche bien. On va faire ça vite avant qu'il ne descende. Mode hein. Strombinoscope en cas où si tu veux faire une petite soirée boîte de nuit. Et voilà. C'est cool. J'espère qu'il n'y a pas des flics qui vont passer. Il y a la police, chérie, arrête. On était ? On était, allez, on était. Bon, voilà, t'as vu comment ça marche ? Ça marche bien. Allez, on était, viens, on rentre à la maison. Allez, de retour après mon petit trip. Bon, ben, je trouve ça marrant. Voilà, je trouve ça marrant. Un footage, voilà, plutôt sympa, petit film réalisé sans trucage, bien sûr. On va s'intéresser maintenant à cette lampe, voilà. Alors, pourquoi j'ai accepté ce produit ? Ben écoutez, je me suis dit tiens pourquoi pas, une lampe rapide à faire, simple, efficace, voilà. Donc on va regarder, avant de s'intéresser à la lampe, on va s'intéresser déjà, bon, on continue la boîte, elle est rapide, hein, vous avez vu la boîte, la notice qui est juste là, qu'on va utiliser après pour vous expliquer un peu le temps, etc. Le port de recharge, enfin le câble de rechargement, hein, voilà, et la lampe tout simplement qu'on va démonter après, qu'on va désosser. On va s'intéresser maintenant aux caractéristiques rapides. Moi, si je vais bien les choses, vous avez actuellement un petit déballage en accéléré derrière. Donc c'est une lampe qui est vendue sur Amazon, vendeur donc envoyé par Amazon, vendeur Himalant. Donc une lampe, c'est la Himalant SR16. C'est une lampe qui fait quand même 440 euros, donc c'est pas non plus un jouet. C'est une lampe qu'il faut utiliser avec connaissance de cause. Faut pas faire de bêtises avec, ça peut brûler la rétine, ça peut faire très mal. Donc c'est une lampe super lumineuse avec 16 LED américaines. Cette lampe de poche a 55 1000 lumens max et le faisceau va jusqu'à 1,7 km. Donc dans la vidéo, si on regarde bien, ça va très loin. Alors 1,7 km, vous imaginez bien qu'au bout d'un moment, on n'y voit pas trop. Voilà, c'est vraiment le faisceau qui va. Ça éclaire pas vraiment jusqu'à 1,7 km. C'est la distance du faisceau jusqu'à laquelle tu peux voir tout simplement la lampe. Il y a un ventilateur de refroidissement dès que tu allumes en fait un max à pleine puissance que tu as pu entendre, que je mets à l'allumer tout à l'heure, je te montrerai. Il y a une batterie avec une charge de 30 watts et tu mets 2,5 heures pour la charger. Et 30 watts aussi pour charger, tu peux utiliser la batterie pour charger une charge inversée, pour charger autre chose, un téléphone par exemple, une batterie recharge inversée de 30 watts, donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le poids, il fait 1,1 kg et voilà. Et voilà. Sinon, au niveau des autres caractéristiques, je vais prendre la petite notice. Donc, au niveau du faisceau, donc 1,7 km, intensité, alors là, c'est 736 000 CD max. Elle est IP56, donc elle n'est pas résiste, vous ne trempez pas dans l'eau, ça ne marchera plus après. Et il y a plusieurs modes. Donc mode turbo, height, middle, middle low, low, super low et clair de lune. Et en fait, le clair de lune, donc c'est 50 lumens. Le super low, 1200 lumens. Le low, 2800 lumens. Le middle low, 4200 lumens. Le middle, 1100 lumens. 23 000 lumens max en height et en turbo, 55 000 lumens. En mode turbo, tu l'utilises entre 42 et 43 minutes. Et plus après, tu descends. Alors je montre, hop, histoire que tu vois un peu la notice de prix. Ça pourrait t'intéresser. Et le max, c'est clair de lune. Bon, là, ça va pas être éclairé super. Tu es en 98 heures, donc ce qui est plutôt pas mal déjà. Pour finir, la batterie fait 21 700 mAh, ce qui va te permettre de recharger largement plusieurs fois ton téléphone. Il y a un téléphone, c'est à peu près 5000 mAh, donc tu peux recharger 4 fois ton téléphone. Bon, c'est pas vraiment l'utilisation principale, mais ça peut faire office. Donc la lampe, alors déjà quand tu la reçois, tu vas dévisser ce gros bloc et tu vas enlever un peu la protection qu'il y a entre la pile et la batterie et tout simplement la lampe. On va revisser bien comme il faut. On va essayer. Voilà, bien revisser comme il faut. Tu as la petite poignée de transport qui est démontable ici. Tu as la LED notification qui est juste là. On va allumer la lampe. Donc, tu as un bouton power qui tourne dans tous les sens. Voilà, bouton power. Là, la lampe est allumée. Hop, elle est verte, donc elle est bien chargée. Voilà, et ici, tu as le bouton option. Donc là, elle est éteinte. Hop, tu appuies deux fois dessus. Tu passes en mode super puissance. Et je ne vais pas rester. Ventilateur,
S'allume, mode strompinoscope. Je vous avoue que je suis en train de. Je suis en train de tourner les yeux. Voilà, ça chauffe pas mal. C'est pour ça, c'est vraiment pas un jouet en fait, tu vois. Faut vraiment pas. Alors, je vais pas l'allumer en plein, sinon là, ça va m'éclater les rétines. Bravo, salut à toi. Oui, c'était vraiment pas fait exprès. Décidément. Au pire, Richard est de sortie. Heureusement que j'ai anticipé, j'ai fermé les yeux. Voilà, j'y vois. Ça va, j'y vois, ne vous inquiétez pas, j'ai pas perdu la vue. Elle n'était pas à pleine puissance, heureusement, j'ai envie de te dire. Tu dévisses là, tu peux mettre le port de rechargement ici, 2,5 heures pour le charger. Et puis voilà. Et puis voilà, j'ai évité la catastrophe en direct. Donc, une lampe. Donc, faites attention. C'est vraiment pas un jouet, c'est très chaud quand on est en mode pleine puissance. Ça peut être très utile pour ceux qui ont vraiment l'utilisation. Mais c'est vraiment loin d'être un jouet. Voilà, allez, sur ce, bisous, ciao, ciao.